Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question qui est dans le livre de... Est-ce que je peux te demander un service? Et si c'est possible de ne pas plier cette... comme ça, comme tu l'as pris comme ça. La Bible. La Bible. Ouais, comme elle a coûté tellement cher, hein, tu risques de la fumer. Okay. On a travaillé comme des malades. Donc, ma question se trouve dans le livre de Genèse, au chapitre 20. C'est une histoire. Lorsque Abraham est allé dans le pays de Guéra, la dispute qu'il a eue avec le roi Abimelech, où il disait que... Il a menti. Voilà. Mm-hmm. Et lorsqu'on dit, on voit que... Il dit dans le verset 11, et Abraham répondit, c'est parce que je disais, assurément, il y a des craintes de Dieu dans ce pays et ils me tueront à cause de ma femme. Et aussi, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de ma mère, mais elle n'est pas fille de mon père, mais elle n'est pas fille de ma mère. Et elle m'a été donnée pour femme. La lecture continue jusqu'en bas. Où je prends le dernier verset, où il est dit, et Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme, et ses servantes, et elles eurent des enfants. Car Yahweh avait fermé toute matrice de la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Donc je vois que dans l'ancien temps, il était permis aux cousins de se marier. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui fait que cela ait changé de nos jours? Et deuxièmement, la deuxième question est que... tu peux y aller. Voilà, la deuxième question c'est, lorsque Abraham va prier pour la maison d'Abimelech, parce qu'ils étaient stériles, cette stérilité, elle a commencé quand? C'est lorsque Abraham est arrivé, à Guéra, lorsque Abimelech a pris Sarah, ou c'était avant? Ok. À l'époque, l'inceste était permis parce qu'il fallait que les gens. Il fallait que la terre soit peuplée. Et c'est pour cela que les enfants d'Adam se sont mariés entre eux. Parce que les écritures nous disent qu'ils sont tous descendants d'Adam et Ève. Donc ces enfants, les enfants d'Adam et Ève se sont mariés entre eux. Donc c'était toléré, l'inceste. Donc c'est pour cela qu'Abraham dira que Sarah était sa demi-sœur, voilà, fille de son père. Voilà, donc jusqu'à ce que la loi soit promulguée, comme Paul le dit. Donc, c'est la loi qui, la loi mosaïque, hein, qui a commencé à régler un certain nombre de choses. Parce que Paul nous dit dans Romains que jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'était pas imputé aux hommes. Voilà. Donc, et c'est la loi qui est venue pour régler les choses, pour mettre de l'ordre. Et ensuite, la loi mosaïque, malheureusement, n'avait pas tout réglé. Et il fallait que la croix... Hein, la croix intervient. Voilà pourquoi Christ est mort à la croix. Et depuis la croix, les choses ont changé. Donc plus d'inceste, plus de polygamie, tout ça. Et à quel moment Abimelech était sa maison, était frappé par le Seigneur de stérilité? C'est au moment où cet homme a pris la femme d'Abraham, tout simplement. Voilà. Tout son pays était frappé, toute sa maison était frappée. C'est à ce moment-là. Merci.